à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau crash test qui est celui de la Glossybox. Et oui, je vous avais déjà présenté hein, cette box il y a quelques mois, j'avais été déçue et puis bah là je regardais, je sais plus pourquoi j'étais atterrie sur le site et j'avais, enfin grâce au Glossydot, hein, au point Glossybox, j'avais droit à une box offerte. Donc je me suis dit bon allez, c'est l'occasion de retester, donc on va voir ça ensemble. Donc je me suis réabonnée lundi et je l'ai reçue donc hier, donc vendredi, donc ça a été super vite. Pour une fois, d'habitude, enfin j'avais toujours eu des soucis de livraison, donc peut-être qu'ils ont changé leur mode, mais donc super. Voilà, donc elle est présentée dans ce joli carton rose. Alors, voyons. Donc je vous redonne pas les infos pratiques, hein, je vous mettrai toutes les infos, donc comme d'hab en barre d'infos, hein, ainsi que le lien pour vous abonner hein, si elle vous a plu. Hop, donc à l'intérieur elle est comme ceci. Donc c'est la Love is in the air, visiblement, voilà. Donc qui est dans un très joli carton rose avec le couvercle avec des ballons en cœur. C'est trop mignon, je trouve. À l'intérieur, donc c'est comme ceci. Nous y retrouvons donc le magazine Glossy. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc oui, il y a le menu, hein, donc on va découvrir ensemble après. Il y a des recettes, des tutos. Ah, ça c'est très mignon. Nous avons des petits coupons comme ça à offrir. Bon, pour un bisou, un ceci, un cela, trop mignon. Ensuite... D'accord, il nous marque comment customiser, enfin transformer cette boîte en la box en boîte à mouchoirs. Bon, il y a plein de petites choses très sympas. Et donc le menu. Ensuite, nous avons une carte bénéfique, comme ceci. Alors bon, j'ai déjà vu des présentations de cette box hein, de ce mois-ci, et ça visiblement c'est une carte à gratter, donc je vais gratter devant vous hein. Visiblement pour gagner des choses. Alors qu'est-ce que j'ai gagné? Bon, à mon avis on a toutes gagné la même chose en fait, mais bon. Alors, donc, vous avez gagné un maquillage flash et un gimbal format voyage. Rendez-vous dans votre brobar le plus proche. Voilà, donc c'est sympa. C'est sympa. Et ensuite, donc, nous avons les produits. Alors, eh ben, je vais prendre dans l'ordre du programme. Nous avons premièrement un fard à paupières de la marque Glossybox, un fard à paupières Glossy Mauve, 3 grammes, 9 valeurs, 9,90€. Alors donc il marque mauve, pour moi ça tire plus vers le taupe. Je sais pas si vous voyez bien au niveau de la couleur, mais ouais, un mauve taupe plutôt, hein. Mais bon. Donc en full size, donc c'est bien. Valeur donc 9,90€. Ensuite, ça doit être ça. Un produit de la marque Mimimi, Lip Glide, crayon jumbo à lèvres. Donc là, 2 grammes. Je présume que c'est également en full size. Valeur 8,25€. Donc, il est présenté comme ceci. Je vais vous l'ouvrir. Comme ça, donc c'est un pêche hein, au niveau de la couleur. Je sais pas si on a une précision, non, c'est pas noté au niveau de la couleur, mais bon, il est très très joli.
Mimimi, c'est une marque que je connais. J'ai déjà eu des rouges à lèvres de cette marque. Et c'est plutôt des bons produits. Donc, contente. De full size, donc c'est déjà bien. Alors, pour l'instant, cette box commence même très très bien. Ensuite, nous avons un produit de la marque Youbee Moisturizing Skin Cream, qui est un après-shampoing en minéraux de la mer morte. C'est arci, voilà. Là, nous avons combien? Nous avons 40 millilitres. Est-ce que c'était ça? Attendez, je vous dis. Non, c'est même pas ça, vous voyez, je vous dis des bêtises. C'est ça. Ça doit être ce produit-ci, oui. Donc là, nous avons 3 millilitres. Et les 31 millilitres sont vendus 16,50 €. C'est une crème. La crème. Ouais, la crème des crèmes du Japon, qui reste aujourd'hui l'un des soins les mieux vendus du pays du soleil levant. Voilà, donc c'est une crème hydratante, visiblement. Hein. Voilà, bon. Toute petite crème, mais bon. C'est sympa. Je pense qu'il y en a assez pour la tester. Hein. Et c'est ça, hein, c'est une crème hydratante. Hein. Ensuite, donc nous avons un produit Benefit Zer Royal Tinted Primer, qui a l'air d'être un primer base de mascara brun profond. Alors, et donc ça, les 8,50 g sont vendus 26 €. Là, donc nous avons une miniature hein, de 3 g. Ce qui est déjà pas mal. Donc il est comme ceci. Hop. Je vais vous l'ouvrir. J'ai pas de primeur, donc au niveau du mascara. Comme ça je pourrais tester. Alors, on s'est présenté. D'accord, ouais, donc c'est comme le mascara The Real, bah, d'ailleurs que je porte. Hein. C'est la même brosse. Donc il est comme ceci. Pas si vous voyez bien. Donc c'est une brosse toute fine avec tout plein de mini picots et avec des picots un petit peu plus longs hein, sur le bout. Non, j'aime bien. Et oui, donc c'est un marron. Hein. Alors visiblement, d'après ce que j'ai pu lire sur internet, on peut le porter soit seul, soit avec son mascara par-dessus. Donc c'est à tester. Je vous dirai ce que j'en pense. Mais attends, je me suis mise donc au tuto, hein. Je pense que je ferai un tuto et j'utiliserai ce produit. Ensuite, nous avons un produit de chez Nikaka, qui est une éponge à maquillage, donc valeur 6,95 €. Donc ça c'est top, j'en ai déjà une que j'apprécie plutôt. Ouais non, ça c'est pas mal. Elle a l'air bien. On va sortir. Hop. Moi aussi, elle est bien. Elle est comme ceci. Hop. Et ensuite, le dernier produit est un après-shampoing, visiblement. De la marque, donc 417. Catharsis Vitamine Mineral Conditioner. Après shampoing minéraux de la mer morte, Carcis, oui. Donc les 250 ml sont vendus 24 €. 24 €. Et là nous avons 40 ml. Donc c'est un format voyage, mais qui est plus que correct. Voilà. Non, bah franchement, je suis agréablement surprise. Je pense qu'ils ont beaucoup. Enfin, qu'ils ont quand même changé depuis le temps où j'avais testé leur box. Franchement, je suis vraiment ravie. Je pense que je vais rester abonnée. À voir. Mais ouais, j'ai bien envie de poursuivre quand même mon abonnement. Là, on a vraiment eu des produits au top du top. Au niveau de la valeur des produits, si je dis pas de bêtises, cette box, normalement, elle est vendue 15,50 €. Bah, c'est vachement, rien qu'avec le fard à paupières et le rouge à lèvres, on est déjà à pratiquement 20 €. Donc 20, 27 avec l'éponge,
Oui, ah oui, non, franchement, là, ça vaut vraiment le coup. On a vraiment eu des grands produits, enfin des produits format vente. Quelques petits produits, mais bon, dans des formats corrects quand même. Donc, ouais, je pense que je vais rester abonnée. Je vais vous mettre, donc, comme d'hab, hein, le lien en barre d'infos si elle vous a plu, hein, pour que vous puissiez la commander. Je pense que si vous commandez maintenant, vous aurez bah, exactement la même que moi. J'avais vu des présentations de cette box hein, sur différents blogs. Et pour l'instant, bah, tout le monde a eu le même contenu. Donc je pense que le contenu ne varie pas hein, entre chaque abonné. Voilà, donc si elle vous a plu, hein, je vous invite donc bah, à la commander hein, via le lien que je vous mettrai en barre d'infos. Et bah, moi, je vous dis à très très vite pour de nouveaux crash tests. Le prochain, donc, qui sera Birchbox, hein, que je vous filme tout de suite. Voilà, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.